Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission spéciale Festival de Cannes. Ce mardi, comme promis, vous assisterez à une interview exclusive, celle de Patrick Guinzio-Doué, un acteur et producteur français venu à Cannes pour chercher des subventions. Ses financements lui permettront de poursuivre le tournage de son film Tata, qu'on vous présentera dans un instant. Le véritable cœur de Cannes, c'est le Suquet. Situé sur une colline au-dessus du Vieux-Port, il s'agit du plus ancien quartier de la ville. Notre équipe vous emmènera à la découverte de ses rues. La couture est à l'honneur lors du festival. Mathilde, étudiante en stylisme, nous racontera son festival de Cannes. Mais avant tout, je vous propose un bref retour en images sur la montée des marches d'hier soir. Comme on vous l'a dit dans notre journal, ce sont Jim Jarmusch et Jeff Nichols qui ont foulé le tapis rouge. Jeff Nichols a comme prévu fait un tabac avec son film Loving, racontant l'histoire de l'amour impossible entre un homme blanc et une femme noire dans la Virginie des années 50. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à présenter le réalisateur comme l'héritier de Steven Spielberg. Si le film doit faire partie des prochaines sélections aux Oscars, il n'est pas encore programmé pour une sortie officielle en France. Les amoureux français de Jeff Nichols devront donc s'armer de patience. Et comme promis hier soir, nous vous proposons de découvrir l'interview exclusive de notre invité surprise. Il montera peut-être les marches du Palais des Festivals dans quelques éditions, ou en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. L'acteur et producteur français Patrick Guinzio-Doué recherche actuellement des financements pour son long métrage intitulé Tata. Ces quelques jours au Festival de Cannes sont pour lui une véritable mission puisqu'ils lui permettront peut-être de décrocher des financements pour sortir son long métrage historique inspiré de faits réels. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout de suite notre interview exclusive. Chasselet, été 1940. L'armistice est acté entre l'Allemagne nazie et la France. Deux ennemis combattants de la première guerre s'y retrouvent. L'un SS, l'autre sénégalais, combattant pour la France. Non informé de la fin des combats, un bataillon de tirailleurs sénégalais français attaque la Panzerdivision Totenkopf. Après de lourds combats à 1 contre 100, les Allemands remportent la bataille et font prisonniers les quelques rescapés français. Ces derniers sont alors triés selon leur couleur de peau. Les SS vont massacrer impitoyablement les soldats noirs français sous les yeux de leurs compagnons d'armes blancs. Le film Tata s'inspire de ce drame et tire son nom du cimetière honorant la mémoire de ces guerriers africains. Mais un tel film, pour exister, doit être financé. Un festival qui est pour Patrick Guinzio-Doué une véritable opportunité. C'est ça qui est intéressant avec ce festival, c'est qu'il peut avoir des surprises très belles, de nouveaux rendez-vous qui se calent au fur et à mesure, de nouvelles rencontres qui entraînent d'autres. C'est un peu ça la magie de Cannes. Et justement, ce côté festival, festif, qui ouvre aussi en fait des voies vers de possibilités de financement, c'est-à-dire que des choses peuvent se décider très vite. Le festival est pour lui une occasion inespérée. La mission de Patrick Guinzio-Doué, acteur et producteur, est de trouver des subventions pour pouvoir adapter l'histoire de Tata en long métrage. Des subventions qui ont déjà un rôle bien défini. L'argent servira essentiellement à financer les salaires des équipes techniques et des équipes artistiques. On a des partenaires sur le projet qui arrivent avec des apports en industrie. On parlait tout à l'heure des costumes, des matériels techniques, d'armement, parce qu'on est dans un sujet de guerre. On a des partenaires qui viennent en soutien au film avec tout ce matériel technique. En contrepartie, on recherche donc des financements pour assurer les salaires des techniciens et des artistes qui vont travailler sur le film pendant les 3 semaines de tournage. 3 semaines de tournage qui ne pourront exister sans l'aide de financeurs. Un Graal recherché par de nombreuses personnes convaincues de leur projet sur les rives de la Croisette. Un point de vue imprenable sur la baie cannoise, un charme provençal et des vestiges médiévaux, il s'agit du Suquet. Cet ancien quartier est un peu l'âme de la ville de Cannes. Alexandre Malher et Rémi Guéry vous emmènent à sa découverte. Si la ville de Cannes avait un cœur, il battrait au Suquet. Parfois nommé Montchevalier, il est le plus ancien quartier de Cannes. Cette colline fut le berceau de la ville. Le quartier a conservé sa configuration médiévale, faite de ruelles pentues. Tortueuse et pittoresque, elle mène jusqu'au sommet de la colline, le point de vue idéal pour admirer la baie de Cannes. Le Suquet est un quartier piétonnier et populaire, où règne une ambiance festive. Méditerranéen jusqu'au bout des ongles, à l'image de ses habitants. Et l'intérêt ici, c'est qu'il fait beau, on peut travailler en même temps qu'on se plaisir, et dans la plage comme je suis allé tout à l'heure,
Et d'aller le soir prendre un verre au Suquet, au hasard, dans l'ambiance sympathique qui est tous les petits bistrots et restaurants du Vieux Cannes, comme on peut trouver le Vieux Nice qui a ici la rue du Suquet. Au sommet de la colline, les moines de Lérins ont bâti un château médiéval dont les vestiges sont toujours debout. Sa tour du XIIe siècle propose le plus beau panorama sur la baie de Cannes et celle de Mandelieu. Après une longue ascension, les promeneurs peuvent se reposer à l'ombre sur le parvis de l'église Notre-Dame de l'Espérance ou dans les jardins d'essence méditerranéenne. À l'ombre des grands pins parasols, le contraste avec l'ambiance de la croisette est saisissant, le Suquet est calme. C'est la communion du charme provençal et de l'authenticité villageoise. Le Festival de Cannes, c'est non seulement un tapis rouge pour les stars de cinéma, mais c'est aussi un véritable défilé. La couture s'invite à toutes les éditions depuis la création de l'événement. Marine Rodriguez est allée à la rencontre de Mathilde, une étudiante en stylisme qui observe pour vous le Festival de Cannes sous toutes ses coutures. Le tapis rouge du Festival de Cannes est le rendez-vous incontesté de la mode et du stylisme du monde entier. Les célébrités présentent en avant-première les robes des plus grands couturiers. C'est des étoiles plein les yeux que Mathilde, étudiante en stylisme à Interstyle Paris, a assisté à la montée des marches de la première semaine du festival. En tant qu'étudiante en stylisme, qu'est-ce que ça te fait de venir ici au festival où les robes de couturier sont vraiment partout ? C'est un privilège de venir parce que on voit les dernières tendances surtout. Et c'est toujours bien aussi de voir les stars porter ces nouvelles robes. Et c'est toujours des robes extraordinaires, des choses qu'on peut voir que ici, quoi. Et justement, quelles robes ont été vraiment tes coups de cœur là depuis le début du festival ? Alors, il y a beaucoup Blake Lively. J'adore toujours son style. Toutes les robes qu'elle a portées pour l'instant au Festival de Cannes sur les marches, j'adore. Mais il y a aussi Bella Hadid, j'ai adoré sa robe, très cintrée et elle montre bien les formes. Il y avait une petite traîne je crois et en même temps elle scintillait, c'était magnifique. Pour toi personnellement, est-ce que ça te donne des idées de ce que tu veux faire plus tard ? J'aimerais moi réussir à faire des trucs comme ça et surtout que tout le monde puisse les voir quoi, enfin ouais, c'est clair. Le Festival de Cannes suscite bien des vocations, tant au niveau cinématographique que dans le milieu de la mode. Ce soir, la montée des marches sera à nouveau riche en événements puisque trois films seront présentés en compétition officielle. Il s'agit des films Aquarius du Brésilien Kleber Mendoza Filho, du film Personal Shopper d'Olivia Assayas et également du film Julieta de Pedro Almodovar. Un Pedro Almodovar qui revient cette année au Festival de Cannes avec ce film traitant des relations mère-fille mais aussi du départ des êtres chers. C'est la cinquième visite en compétition de Pedro Almodovar. Le 20e film du célèbre réalisateur espagnol pourrait remporter la Palme d'Or 2016 cette année. Julieta, l'histoire d'une mère séparée de sa fille depuis 12 ans. Antia a décidé de suivre sa propre route et vous ne faites pas partie de cette route. C'est suite à une rencontre occasionnée avec l'ami d'enfance de sa fille perdue que Julieta aspire à retrouver un jour son enfant. Elle décide alors de lui écrire tous ses non-dits et se lance ainsi à la poursuite de sa fille Atia. Julieta ? Mais c'est fou, mais j'hallucine, Julieta ! C'est incroyable ! Bien loin de la movida, Pedro Almodovar touche son public avec cette œuvre dramatique qui raconte l'histoire d'une relation fusionnelle entre mère et fille. Mais aussi le mystère insondable qui pousse chacun à abandonner les êtres aimés en les effaçant de leur vie. Adriana Urgaert et Emma Suarez dans le rôle de Julieta ou encore Rossi de Palma annoncent un film détonnant. De quoi promettre une séance riche en émotions. Pour la fin de ce journal, on vous envoie quelques petits rayons de soleil. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain. Thank you.